Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenus. Re-coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais tout simplement poursuivre un petit peu à tout casser. Mais comment ça tu vas tout casser? Bah en fait j'ai besoin de B. Le narco berry là, pardon. Et plus on va en avoir, mieux ça sera. Ah ouais, rappelez-vous comment on a lutté déjà pour pouvoir les avoir. Alors là, je vais pas m'en priver. Hein. Lui, franchement, ça va être vraiment mon outil de travail. Donc après, j'ai pas mal de viande un peu partout. Voilà. Là par contre ce qui est bien c'est regarder la vitesse des narcobériens. Hein. Ah, tu perds 10 fois moins de temps déjà. Ah ouais, j'avais raison finalement de capturer celui-là en priorité. Hein. Par contre il va être vite rempli. Ouais, narcobéry, par contre il n'y en a pas tant que ça dans cette zone aujourd'hui. Hein. Je sais pas, je vais lui mettre 2 tonnes je crois. Dommage qu'on peut pas pousser au-delà en fait certaines espèces. Hop. Hop. Il n'y a pas tant que ça ici. Ah, un petit peu là. Il est presque rempli, Body. Attention. Hein. En plus, attention, maintenant il est épuisé. On peut laisser reposer. En moins de 2 secondes, il va se recharger. Et après, c'est reparti. Voilà. Maintenant, je peux profiter pour lui prendre. Tu vois, il y en a moins de 2 secondes. On a. Rappelez-vous le temps qu'il me fallait, moi, pour ramasser ça. 10 minutes, que lui, en 1 minute, il a déjà tout. Ah, par contre, je vais vider le reste de son répertoire. Ça sert à rien. Hop. Voilà. On s'en fout. On a tout jeté par terre, dans le sac. Ouais, dès que j'ai dit ça, bizarrement, en fait, j'ai vidé. Mais. Ah, ouais, c'est la selle aussi qui pèse. Oh, ouais, d'accord. J'avais zappé que la selle avait un poids important aussi pour le petit malin, donc il va XP dans pas longtemps, je pense. Il faudra vraiment qu'il reste dans la zone ici et qu'il s'éparpille pas vraiment partout. Hein. Ça me plaît bien. Alors la narcotique c'est bon. Après on a la viande périmée, on a déjà pas mal. Vous allez voir, en 10 minutes on va en faire quasiment 200 ou 300. Hein, fastoche. Hein. Allez, flèche comme ça. Je sais pas ce qu'il va manquer. Il y a une tortue là-bas, je pensais que c'était une méduse. Je fais quoi, ils ont mis des méduses maintenant? Après je me ferai un petit parking comme j'ai expliqué au début. Voilà. C'est dommage que ça pourrit en fait très rapidement aussi les narcobéries. Ah, ça me plaît bien ça. Ça fait déjà 2 flèches. Pas longtemps il va passer le niveau, je pense. C'est quand tu passes le prochain niveau, petit malin. Encore. Très peu de temps, il passe le prochain niveau. Nickel. Allez, le poids dit. Le poids. Tu te fous de moi ou quoi? C'est qui a passé le niveau? C'est moi ou c'est lui? C'est moi. Non, c'est lui qui a passé le niveau. Je comprends plus rien avec ces grosses fesses. Merci, c'est maintenant que ça s'affiche. Donc, je vais lui mettre un peu plus tard de. Attends. Voilà, comme ça, on aura plus de choses pour transporter. Ah, je sais pourquoi il est lourd, parce que c'est moi qui est super lourd. C'est moi qui en fait qui est monté sur lui qui pèse quasiment super lourd en fait. Voilà. Là-bas on a quoi, des tortues? Ça tombe bien, je regarde un petit peu ce qu'on peut avoir sur le côté. Après il faut que je me vide un petit peu mon corps là qui est trop chargé je trouve. Allez c'est bon, je descends. J'ai de quoi faire beaucoup de flèches là. Je dirais une petite trentaine. Alors, accès là-dedans.
On va mettre un petit peu tout ce qu'il faut. Regardez, il y en a beaucoup plus, hein. Là, franchement, je suis super gâté, hein. Voilà, vraiment, enfin, on peut commencer à s'occuper des choses très sérieuses. Allez, je blinde le truc à fond. Voilà, et maintenant, je vais crafter un petit peu les flèches aussi à côté. Ah, je peux en faire plus de 100. On va s'amuser un peu. Voilà. Pas que je m'emballe trop non plus. Ça va, je pense que c'est parfait. 40. Encore 4. Voilà, ici. Moi, ça me convient très bien. 50. Après, dès que j'ai 50 flèches, je pourrais tout simplement me mettre encore davantage de trucs que je vais mettre ici. Alors là. Voilà, je pense que l'arc en question, il sera plus intéressant maintenant. Après, un autre truc, ça, je sais pas c'est quoi ce truc-là. Ça, je sais pas du tout c'est quoi. Il y a de l'orange en même temps, de la citronnade et de la carotte. Je connais même pas où tu trouves ça, en fait. Je sais même pas qu'on pouvait prendre de la carotte quelque part et du citron. Je sais pas c'est quoi ça. Ça, vraiment, je sais pas. Ça, je sais comment le faire. Ah ouais, il faut que je garde aussi les trucs blancs. J'avais oublié pour faire de la poudre, en fait, pour certains trucs. Ah, c'est vrai, j'avais ces trucs-là aussi. Mettre un peu de flint. Ah oui, il faut que je mette de la pierre pour faire de la flint. Ah ouais, c'est des petits malins en fait. Donc je vais mettre quoi? Je vais mettre un peu plus de santé. Donc c'est bon, j'en ai 3. Vous avez les petits malins? Ah là, il y en aura de la flèche. Ça va, franchement, je peux endormir pas mal d'espèces. Par contre, il faudra que je commence à me vider un petit peu le corps là. Les trucs que j'ai pas besoin. Alors, ça, c'est les trucs rares, je vais les laisser là. Ici, c'est un vrai bordel en fait, hein, je vous cache pas. Un peu de trucs. Hop. La fibre, c'est pas ce qui va me manquer. J'espère du moins qu'on pourra se faire plaisir avec. Là, ça sera pareil. La pierre. Je m'en mets ici. Après, il y a des choses que je vais virer. Le scratch. Un petit peu de fibre. Donc, vous voyez, ça nous a quand même permis d'avoir pas mal de fibres, la petite récolte. Hein. Hop. 100. C'est quoi qui pèse super lourd là-dedans, là? Donc, ça, je vais le mettre là plus tard. Je m'en fous un peu du secret, mais ça peut toujours servir. Les pots, c'est pareil. Les flèches, c'est ça qui pèse vraiment lourd pour l'instant. Ça. On va le laisser plus tard pour certaines choses, donc ça j'en ai pas besoin. Quel con, je viens de bouffer un truc qui va m'endormir dans 2 secondes. Tu le vires, je peux le virer, je peux le virer. Il y a des trucs qui ne servent pas à grand chose, non, ça faut pas le faire. Voilà, après on aura quelques encore narcoberry. C'est bien, par contre faudra que je ferme la porte, on sait jamais s'il y a un petit malin qui se pointe. Voilà, je suis déjà léger, j'ai des flèches et maintenant je peux pouvoir chasser. Alors, j'ai tout ce qu'il faut. Regarde comment il cavale. Il a trop peur. Il me fait rigoler celui-là. Je vais m'occuper des. Ah, parce qu'il y a une bagarre en fait, c'est pour ça. Ouah, comment il a volé comme une merde. Bien joué, Bronto. On peut les exploser. Toi, il est un peu blessé ou pas? Ouais, il s'est bien fait exploser la gueule, lui, par contre. Il s'est bien fait exploser un peu la gueule. On va lui mettre un peu plus de B, comme ça va se régénérer plus facilement. Toi, Bronto, tu peux XP ou pas? Pas encore. Faire vite fait ta santé, Bronto. Là, tu te portes bien. Lui, par contre, ce sera que la santé que je veux lui mettre. Alors, maintenant, il faudra que je chasse autre chose. Il y a quoi dans ma zone? Bon, les dodos, faut pas exagérer quand même, hein. Les tortues sont assez faciles pour endormir avec lance-pierre. Donc j'aurais pas besoin de flèches. Je trouve d'autres espèces en fait, un petit peu plus robustes.
Et quel niveau? Oh, 45. Je peux l'oublier complètement la tortue ici. Hein. Pour l'endormir, il me faudra une centaine de flèches. J'observe un peu encore. Je suis vraiment dans une zone où il y a très peu d'animaux en fait ici intéressants. Il y a quoi peut-être en bas? Je vais jeter un petit coup d'œil. Parce que des fois, t'as un sarco qui se balade. Là, visiblement, il est en congé en fait. Hein. Il s'est congédié tout seul. Ouais, il s'est congédié tout seul, le petit malin. Les requins, on verra ça un peu plus tard. Donc, même ici, faire une petite maison, c'était sympa. Hein. Non, il n'y a pas grand chose ici. Bon, le parosaure, là, je m'en fous complètement. La tortue, c'est bon, j'en ai. Ouais, faut que je change complètement de zone en fait. Attends, on va parcourir une autre zone. Ouais. Bon, bah, faisons le tour. Hein. Toi, t'es trop âgé, toi. Non, ça va. Parce que 20 flèches, je peux me permettre d'endormir un peu des trucs un peu plus costauds. J'aimerais bien m'endormir les gros brontosaures en fait. Mais 20 ça suffira pas. Hein. Je fais attention à mon alimentation, je surveille tout, c'est bon. J'ai peur qu'il y a quelque chose qui déboule d'assez costaud sur le côté et que je me fasse tuer en moins de 2 secondes. Franchement, ça me fait chier parce que j'ai quand même des haches là. Mais après, j'irai chercher tout ça avec mes troupes. Hein. J'ai préféré monter. Hein. C'est pas pour rien. C'est pour prendre un petit peu la température du site. Non, il n'y a pas grand chose. Parce que s'enfoncer un peu plus loin, ça risque d'être chaud. Faudrait que je trouve le gros là. Ah, il est là-bas, mais un autre gros en fait qui lui ressemble un peu. Ça, je suis même pas sûr que tu peux l'endormir cette connerie. Ça, je suis même pas sûr. Je sais même pas à quoi ça sert ça. On va passer à l'aspirateur, c'est tout. Ouais, par contre, là, je vais en avoir deux sur moi. Niveau 11, je pourrais le prendre un peu plus tard celui-là. Tu vois, il se bagarre encore les deux là-bas. Alors, Bronto, combien celui-là? C'est moins de 5, je le prends. 11. Et toi, t'es 36. Laisse tomber le 36, il va m'exploser en 2 secondes. Et j'aurais même pas eu le temps de le capturer intégralement. Là, on a très peu d'animaux intéressants ici. Hein. Et quel niveau toi? Je suis bien bloqué en plus comme un con, c'est bien. Hein, il va me servir lui. Il va dire mais pourquoi tu veux un deuxième? Ce sera ma garde rapprochée. Je pense qu'il en faut que 5 hein, pour l'endormir. Hein. Espérons qu'il s'est endormi. Non, j'entends encore qu'il est là. Là il dort à mon avis. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas tirer une autre flèche. Donc 5, c'est bon, parfait. Mais lui, des narcotiques, Cody. Il y a des narcos machin. Et voilà, il va se réveiller dans très peu de temps. Le suivant. Bon, toi, je sais pas t'es qui, mais on va te prendre quand même. Et là, on n'a rien à foutre, celui-là. Celui-là, je crois pas qu'il s'endorme. Je sais que 5 flèches, hein, pas plus, hein. Non, il sert à rien celui-là. Il passe juste l'aspirateur le dimanche. Non, il s'endormira pas. Ça sert à rien que j'insiste que je vais gaspiller des flèches. Bon, j'allais après chercher un singe, un gorille plutôt. Les gorilles.
Ils sont à l'intérieur de la forêt, j'ai combien de flèches? 10, c'est bon. J'attends qu'il se réveille un peu. Bon, il va se réveiller dans très peu de temps. De toute façon, j'ai même plus besoin de m'embêter avec ça. Alors, je vais chercher le gorille ou le petit singe que je vous avais promis la dernière fois. Je croyais que c'était un merde. Comment il s'appelle ça? Un raptor. Là, par contre, je peux me faire exploser le postérieur ici. Parce que c'est là la zone la plus dangereuse. J'avais vu des singes ici la dernière fois, mais il n'y en a pas tant que ça là. Là, 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 la tortue elle est là. Quel gratuit, toi. 36, je te laisse l'honneur. Ah, ils sont où les singes là-dedans là? Aïe aïe aïe, c'est quoi ça? Tiens, j'ai flippé ma rachis, mais j'ai entendu un petit bruit là, j'ai fait oh, c'est quoi ça? Un stégosaure. 4, je peux l'endormir, mais il va pas me servir à quelque chose. Oh, et puis merde, on endort tout le monde. Par contre, ça craint là où je me suis mis là. Il y avait que des petites libellules. Putain, en moins de 2 secondes, elle va m'endormir celle-là. Moi je me casse d'ici, ça sert à rien, parce qu'il y a des petites libellules et elles risquent de me manger tout cru. Ils arrivent en vitesse les petits là sur moi. En vrai j'essaie d'en capturer plusieurs après comme ça. Là ça va, je vais être sur... c'était quoi ça qui était bloqué là? Un crasher, waouh, un deuxième. Je suis parti où putain hein? J'habite pas ici moi? Ah oui, je suis parti en haut de du machin. D'accord. Je pensais que j'étais plus près, mais j'étais plus loin. Normalement, j'ai un stégosaure qui est bloqué quelque part ici ou ici. Moi, c'est les mouches qui me tuent là. Ça, j'ai de la chance qu'il n'y a pas grand chose là. Faut pas que je tombe sur les raptors. Tant qu'il n'y a pas de raptor, je vais bien. Dès qu'il va y en avoir, c'est mort. Putain, dès que je dis ça, quand on parle à deux raptors un peu au fond. Vive les libellules, hein. Ça, tu peux rien faire contre ça. Je repars un peu en arrière. Eh, c'est chaud, on fait des captures. C'est qui celui-là? C'est qui se met c'est qui ce pervers là qui gueule sur le serveur là? Le mec, je vois un mec en slip avec une lance. Je me dis oh putain, sur quoi je vais encore tomber moi? Bon, on sait jamais hein, je peux tomber sur tout et n'importe quoi hein. Je fais attention quand même à ces petits malins. Je regarde un petit peu s'il n'y a pas un autre. Avant, il y avait les mecs là qui tournaient avec la queue là, qui étaient présents dans cette zone, mais là, depuis un bon moment, ils ont disparu en fait. Franchement, ils ont vraiment déplacé beaucoup d'animaux, les ont mis un petit peu plus loin certains. Ça, je peux rien faire contre ça. Je me casse qu'il y a des raptors. Tiens, justement, j'en ai 3 là-bas que je vais capturer. Tant pis, hein, je vais prendre des rhinos. Hein. Comme ça, j'aurai une bonne défense, ça m'en fera 4. Ah là là, la poisse qu'on a quand même. Bref, parce que j'ai pas envie d'aller trop vite dans les crafts. Laisse tomber le niveau. Ah là là là. C'est même pas la peine de rêver là-dedans. Tu les auras jamais ceux-là. Ouais, bon bah vive la galère. Vive la galère hein. Ton branteau il est en place.
Tu vois, le dodo, il est en train de se battre avec quelque chose. Eh, mais j'ai pas de. Y a rien en fait dans la zone ici. Hein. Je retourne chercher mon rhino là. Ah, il s'est bloqué l'abruti là-bas, il est en train de faire bronzette. Ouais, faut que je trouve même des cochons là. Il n'y en a pas de cochons là? Les cochons, les cochons. Où est-ce qu'ils peuvent être les cochons? Les cochons, les cochons. Ah merde, j'avais oublié que je suis des terres, je fais que de courir là. Régénère-toi s'il te plaît un peu plus rapidement. Ça y est, c'est réveillé, je pense qu'il est là-bas. Ça se peut que je me prends avant. Ah, il veut quoi lui? Hop. Toujours les Anglais qui sont là pour gueuler. Voilà, j'en ai un déjà qui va venir m'accompagner. S'il se bloque pas, ce clown. Faudrait que je prenne un truc après brûlant comme ça là. Un petit dragon. Pour lui, il sert complètement à rien. Ah, j'ai préféré changer de touche. J'adore les requins qui sont en mode bateau, quoi. Mais c'est pas si évident que ça de trouver des trucs intéressants. Hein. Le dodo, bon, on le prendra un peu plus tard. Pour l'instant, je prends des petits levels. Hein. Comme ça, il va augmenter son niveau un peu. Voilà. Merci. Comme ça, toi, tu me ramènes ma proie. Qui est passée où sous la carte? Non, elle s'est baladée quelque part. Ah, c'est pas grave, tant pis. Oh! Il me faut le singe. Il me faut le singe. Je vais le cacher ici. Il me faut le petit singe. Je veux dire, mais pourquoi tu veux le petit singe? Rappelez-vous, la dernière fois, je vous l'ai promis. Et l'autre petit macaque. Voilà, petit macaque, je l'ai. Mais tu peux rien faire, putain, tu peux même pas les apprivoiser. Ah, eux, tu peux rien faire avec eux. Bon, bah, les petits macaques comme ça, là, je pensais que tu pouvais, mais tu peux pas. Ouais, tu peux rien faire. Pff, ça a rien. Il est là juste pour la déco, lui. Ok, ok, je le serai. Merci pour m'avoir fait gaspiller quelques flèches, petit salaud, mais tu sers à rien. Ouais, il sert à rien, en fait, le petit. Il n'y sert pas à grand-chose. Là, je casse un petit peu histoire d'avoir un peu de stretch, mais ça me fait un peu flipper quand même de voir qu'il faudra que je me déplace avec des plus grands nombres, des animaux un peu plus grands encore. Parce que c'est pas avec ce que j'ai en fait que je pourrais en capturer d'autres en fait. Il y a un croco là-bas ou quoi? Il y a une grosse fesse. Je vais l'endormir. Ah, venez, bande de clowns. Voilà, je les ai mis un peu là. Ah, tiens, mais Body, qu'est-ce que tu veux faire? Il y avait le fameux truc là qui est bloqué quelque part. Bloqué plutôt. Bloqué, bloqué, bloqué. Où est-ce qu'il est, lui? Il est même pas là. Il est même pas là, le malin. Je vais ramasser un peu de flint qui tente de casser le rocher. Celui-là aussi. Normalement, il y avait le gros là, l'aspirateur, là, le cochon que je vous ai parlé. Voilà, c'est lui que je vous parlais. Ah merde, j'ai mis à côté cette flèche.
Normalement, deux flèches, il dort, non? Ça va, et j'ai endormi des plus gros cochons que toi. Et je te la mets bien là où je pense. Espèce de menteur, là. Par contre, j'ai rien pour le faire, putain, endormir celui-là. Attends. J'amasse rapidement DB. Une bagarre ou quoi? Je croyais qu'il y avait un croco encore quelque part. Comme ça, je le réveille rapidement, lui. Bouffeur de chips, va. Oh. Magnifique, comme ça j'en ai un deuxième. Après je m'en fous d'en avoir beaucoup, pas beaucoup. Hein. Allez, chercher après le rhino. Tout ce qu'il y a dans le secteur, je vais le capturer. Comme ça ma base sera déjà protégée. Voilà, reste pas dans la flotte, sinon tu risques de perdre rapidement. Voilà, ça en fait un peu partout. Faudra que je les réunisse aussi à côté de ma maison. On n'a plus vraiment de flèches. Donc on a deux possibilités. C'est soit j'en fais encore des nouveaux. C'est ce qu'on va essayer de faire. Il est où mon aspirateur? Voilà, comme ça je mets ça là. Voilà, l'aspirateur sera présent ici. Le bronto. Ah et putain, y a le mec qui court vers moi, faut que je le flingue. Hello. 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 Il est trop musclé pour moi le mec. Il va pas s'endormir ou quoi? Il veut pas s'endormir le mec. Non. Il veut pas s'endormir, putain j'y crois pas. Ça c'est le truc de salopard ça. Ça c'est le truc de salopard par excellence. Là il va se faire déchirer. Faut que je calme mes animaux. Je voulais faire un peu sursauter. En fait pourquoi ils viennent tous dans cette zone? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi ils restent pas dans une autre zone en fait? C'est ça qui est un peu dommage. Il est juste là. Donc ouais, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est récolter un petit peu les autres trucs que j'ai ici. Faut que je me méfie de l'anglais là, qui est juste à côté, tu sais pas. Je connais pas ses attentions. Donc là, il ramasse des petits trucs à ce que je vois. Pourquoi il se met à côté de moi? On parle pas la même langue, monsieur l'anglais. Ah, par contre, j'ai pas le truc qui s'affiche. J'attendais de le laisser passer, sinon je sais que j'allais déclencher une bagarre. Où est-ce qu'il est caché? Il s'est caché dans les arbustes là-bas. Je vais le faire un peu flipper. Ça c'est vraiment une connerie ce truc là, je te jure. Comme ça je pense qu'il partira tranquillement autre part. Il a la torche chez toi, attention. Il va devenir un rebelle lui. Il m'observe en plus ce petit vénard, il est juste derrière le rocher. Hein. Tant qu'il m'attaque pas ça va. On sait jamais, je connais pas trop les attentions moi les américains. Hop. On ramasse encore tout ce qu'il nous faut. Et c'est vraiment pas évident aussi de pouvoir rapidement récupérer des choses avec la main quoi. Que là j'aime bien là. Et ben donc les animaux ça va être beaucoup plus compliqué que je pensais. Parce qu'il faudra que j'essaie de déplacer beaucoup plus de personnes avec moi en fait. C'est à dire beaucoup plus d'animaux en cas de protection. Parce que vous avez pu voir il y avait des abeilles, il y avait tout. Et je les mettrai un peu en retrait dès que... Et je vais en dompter d'autres. Comme j'avais fait au début. Parce que partir tout seul
en récolter, bah c'est à double tranchant en fait, je m'aperçois, ça peut être extrêmement risqué finalement. Faudra pas que je passe le fou. Après plus tard j'essaierai de prendre des grenouilles aussi. Ça, ça se trouve pas ici, ça se trouve tout au bout là-bas, là où il y a la corne, regarde. Là-bas. Avec la corne du milieu, vous voyez? C'est juste derrière le rocher là-bas. Alors donne-moi des trucs intéressants pour une fois s'il te plaît, il veut pas, ça j'ai rien en fait. Les blancs vont nous servir plus tard pour faire des ravitaillements en vol. Jamais tu pètes un câble, non, justement en fait t'as une possibilité de, c'est de faire durer en fait, c'est comme un truc d'adrénaline ça. Donc ça peut être sympa. Hop, hop. Donc là il y a quoi? Je pourrais tout simplement encore mettre des charbons pour faire les armes. Tiens, je vais essayer de faire les armes après. Parce que j'ai déjà du métal, donc ça me permettra d'en faire après. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme arme déjà pour commencer? Les piques, là, je les ferai plus tard, ceux-là. Parce que les piques en fer, je m'en fiche un peu, parce que ça demande beaucoup de ressources. Donc j'ai une autre selle. Donc j'essaierai de faire ça. Le harpon, là, bah ça, je pensais que c'était fastoche à faire. Mais mon cul, ouais. C'est un truc qui rigole vraiment pas. Ça c'est une deuxième toile, je sais pas quoi elle va servir, la cheminée je l'ai fait mais pff, ça sert à rien. Et ça c'est les flingues, mais les flingues il va nous manquer encore des petits trucs. La machette, là on a un blason on aurait dit. Il y a des trucs tu sais même plus c'est quoi. J'avais oublié qu'on avait la faucille. J'avais oublié complètement qu'on avait ça pour ramasser le stretch. Attends, bah hey, j'avais oublié qu'on pouvait avoir ça, bougez pas. Ah j'avais pensé à tout sauf ça quoi. Ouais, comme par hasard, il va me manquer de la peau. La peau, justement, j'en ai en bas. Ah, j'avais oublié que j'avais ça. Ouais, on dirait, ça sert à quoi, body? À couper plus rapidement du stretch. Parce que t'as déjà la hache, c'est pour le bois. La pioche, c'est pour la pierre et le stretch. Et après, t'as l'autre truc qui va te servir après. C'est 23, je crois, qu'il fallait. Hein. Je suis pas certain, mais bon. Prenons un peu de peau. Je crois que c'était 23, hein, je suis pas certain. Hop. On va l'expérimenter ensemble dans pas longtemps. Je vais mettre ça là. Tu vois, c'est bon. C'était 23, non, c'était 16. Ah, comme ça, je suis équipé. Ça, ça fait plaisir. Allez, on va faire un tour là-bas. L'avantage, c'est que ces trucs-là, ça va vraiment nous aider après pour les pour d'autres constructions un peu plus loin. Donc, comment ça fonctionne, ça? Je vais faire la touche 5, je me souviens plus exactement. Je sais pas où tu le mets, ici. Ah tu vois, de la fibre. On aura que de la fibre là par contre. Pas qu'un peu. Regardez la vitesse de la fibre. Ça c'est pas kiffant sérieux. On va essayer de s'en faire énormément de la fibre. Ah ouais. Pff. Voilà, chaque truc a un rôle bien défini quoi. La vitesse de construction de la... Oh là là, la vitesse de la fibre là. Ça c'est ça que j'adore. Moi qui galérais aussi pour ramasser de la fibre, alors là on n'aura plus du tout ce problème hein, avec tous les ustensiles en fer qu'on est en train de débloquer. Moi je pense que vous en pensez quoi, en plus la fibre ça pèse rien donc du coup on pourra en collectionner vraiment, je sais pas moi, 5-6 tonnes fastoche. Hein. Parce qu'en fait on a aussi des animaux qui le font à notre place, tu vas me dire c'est lesquels? Bah c'est les singes, mais les gorilles en fait, hein, pas les petits. Hein. Les petits ils servent pas à grand chose mais les autres ils servent. Mais par contre, le gros défaut, c'est que tu ramasses pas des narcos après. Hein. Tu ramasses que de la fibre. Bon, je me dis, de temps en temps, ça fait pas de mal, quoi. Vous allez voir tout ce qu'on va avoir, vous allez halluciner. Allez, tu fais ça 10 minutes, 15 minutes. C'est même pas ce qui va te manquer, en fait, d'avoir après des ressources à fond, quoi. En plus, ça s'use pas vraiment, donc du coup, tu peux le faire vraiment longtemps. Ce qui vient, c'est que je peux marcher avec la touche en français. Ah, franchement, j'avais oublié qu'il existait ce petit ustensile en fait en métal. Hein. Vous avez vu, heureusement que j'ai crafté du métal. Là, je suis parti en chercher. Hein. Comment ça nous aide maintenant à fond dans notre progression? Je sais pas après si ça casse le bon bout là. Non, ça casse pas ça. Oh, la fibre de taré quand même. Oh là là, en plus ce qui est bien c'est que ça repousse super vite, donc du coup t'as le temps de vraiment ramasser un maximum en très peu de temps. Oh là là, la vitesse de la fibre. Eh, ça fait flipper.
fond. Franchement, je suis en train de me taper un petit record. Si j'arrive à faire 1000, je rigole. Un petit 500 là. Oh là là là. Allez, un petit 1000 là. Non, non, il veut pas. Allez, on va réussir le 1000 là. Hein. Pas vraiment, parce que je suis dans une zone où il y a moins en moins de fibres. Ah ah ah. Ah, j'ai de la chance, j'ai de la chance. Allez, allez, on garde le pari ouvert. Pas évident. Ah, encore 200 là, et ça y est, on va avoir nos 1000 là. Et imagine, tu gagnes une super récompense. Oh là, il y a des trucs ici. Hein. Ah, quand même, hein, ça, tu peux en avoir 3-4 000 comme ça avec une seule fossile, là, comme ça là. Petit petit, déconne pas, déconne pas. Voilà, on a eu 1000. Bah voilà, hein. en moins de 5 minutes. Hein. Ah, ça nous évite de nous faire chier pendant des heures et des heures. En plus, la fibre, ce qui est bien, c'est que ça fait vraiment que dalle, et ça sert après pour faire d'autres trucs assez intéressants. On n'aura plus jamais de problème de scratch, de fibre et de bois. Bon, le bois, ça sera le plus chiant, en fait, parce que c'est le plus lourd, en fait, à transporter, mais la fibre et le scratch, c'est le truc le plus fastoche à faire. Hein. Le mec qui te dit, ouais, j'ai pas fait récolter beaucoup de fibres et de scratch, tu rigoles, en fait. Hein. C'est que c'est juste un gros feignant, quoi. Avec les ustensiles, bien évidemment. Hein. Allez, je casse tout ça. En plus, ce qui est bien, c'est que ça endommage pas en fait tout ce qui est à côté, quoi. Bah voilà. Ça, tu peux. Ah, par contre, oh là, comment je me suis essoufflé comme une merde aussi. Bon, là, si je me fais attaquer, je décède sur le coup. Alors, la fibre, on en a énormément, à mon avis. Regarde. La réserve, elle est magnifique. Il nous manque encore deux. Pour pouvoir égaliser le truc. Attends, hop. Moi, je vais déposer tout ça dans le coffre et personnellement, je vais bien garnir la maison. Après, je me ferai un stock de ressources quelque part aussi pour pouvoir. Ben, celui-là, je vais le protéger, cette maison. Je pense que je vais. Après, si tu mets la maison en métal, ça va pas changer grand-chose aussi, j'ai remarqué. Hein. Tu vas pas gagner plus de résistance ou un truc comme ça, quoi. Je ferme maintenant la porte derrière moi parce qu'on sait jamais avec le petit malin qui était à côté. Donc là, je vais un petit peu ranger mieux les coffres parce que pour moi, ils sont un petit peu mal rangés là actuellement. Alors, franchement, vous en pensez quoi? C'est excellent quand même, non? Là, je perdrais moins de temps, quoi. Je me ferai une armoire spéciale stretch, spéciale bois, fibre. Et du coup, regardez. J'ai besoin de fibres. J'ai même plus besoin de me faire chier, en fait, à le récolter à la main comme on a pu faire pendant 20 minutes dans l'autre épisode, en fait. Que là... Tu glisses le truc et ça y est, en moins de deux, ça y est, c'est fait, quoi. Donc ça peut être un avantage. Après, pareil, si j'ai besoin de faire de la narcotique, bah, on va aller beaucoup plus vite maintenant avec le machin, là, le petit malin. Pour les viandes, il faudra que je capture. Il y a beaucoup de trucs comme ça, en fait, qu'il faut savoir. Hein. Et encore, j'imagine qu'il y a d'autres... Les nouveaux animaux, c'est même pas encore c'est quoi les choses qu'on peut faire. Je sais que le tigre en question, il peut ramasser plus de peau. Ils ont chacun un rôle bien, bien précis, quoi. Donc ça, après, je me ferai plus tard une petite arbalète comme ça. Je peux la débloquer tout de suite aussi. Hein. Donc ça peut être vraiment intéressant. Après, je regarde un petit peu les autres armes qu'on a, en fait. Hein. Donc ici, je pourrais faire des fondations en fer, mais bon. Je vous le cache pas, c'est que ça va être assez chiant, parce qu'il faudra que je fasse une table spéciale. Là, on fera après, c'est quoi ça? Ça, c'est un truc pour les costumes. Je sais pas encore à quoi ça va nous servir. Je pourrais faire une porte blindée. Mais ça, je vous le dis pas. Ah, ça, c'est un truc un peu particulier. Tu vois, il y a beaucoup de trucs, en fait, qu'ils ont mis. Putain, quel gros con. J'avais oublié que j'avais une souris super sensible, en fait. T'appuies juste une fois pour regarder par curiosité. Et en fait, tu te retrouves à tout faire, quoi. Ah, je sais même pas. Qu'est-ce que j'ai fait un truc pour les costumes? La merde. Ça, c'est quoi, ça? Comme un gros con, j'ai fait quelque chose que j'ai pas voulu faire. Ah, c'est pas grave, ça. Ça, c'est quoi, ça? Avec des selles, en fait, j'essaierai tous. Ah, mais ouais, c'est des trucs que tu sais, des trucs que tu sais plus vraiment. C'est quoi que je voulais débloquer là rapidement? Un fusil. Comme ça, je pense que j'en ferai un après. Ah, une lance en fer, au pire. On aura aussi ça pour partir en expédition. Une armoire de costume cette fois-ci. Hein. J'en fais une. Piège à 11. Voilà, jusque-là, il n'y a rien de ouf. Hein.
Comme ça, j'essaierai de mettre des costumes un peu plus loin. Et voilà. Donc moi, les amis, je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Prenez soin de vous. Donc après, ici, on finira rapidement un peu plus tard le toit. Enfin, on n'a rien à terminer, en fait. On va tout simplement refermer la boucle ici. Là, on va tout simplement terminer aussi la tour de guet en question. Et voilà. Hein. Oh, ça me plaît bien pour l'instant. Je progresse plutôt bien et... Il y a pas mal encore de trucs à faire. Là, faudrait que je mette plus tard une échelle. Pour l'instant, je la mets pas, mais... tu vois, parce qu'après, quand on va dans le trou, c'est assez galère. Oui, donc ça commence un petit peu à être plutôt mignon. Je pourrais même crafter plus tard cette connerie. Par contre, regardez, c'est ce qu'il faut. Il y a des fleurs, il y a des trucs, je sais même pas où ça se trouve. Je me souviens un peu où ça se trouve, tous ces trucs-là. Après, l'armement en question et costume, ça va, je la mettrai là au pire. Ça va être rapide. Donc je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Prenez soin de vous.